Allô? Bonjour, c'est Lola. Vous voulez un rendez-vous? Oui, ça je fais. Avec mon premier client, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Sa façon de me regarder, ça m'excitait. Mais vous aimez qu'il touche vos seins? Vous avez l'impression d'être dominée? Vous avez un sentiment de pouvoir? Vous n'aimez pas ça, vous? C'est comme les clopes, en fait. C'est difficile d'arrêter. Parce que d'un coup, j'ai de l'argent. Mais ils sont comment ces hommes? Ils ont des problèmes? Non, pas du tout, ils sont complètement normaux. Bah, ils ont pratiquement tous l'âge d'être mon père, donc... Des maris qui s'ennuient. Et vous trouvez ça pas humiliant? Non. J'arrive pas très bien à comprendre. Depuis que tu travailles sur cet article, t'es vraiment bizarre. T'es trop cher sur les putes. Mais je suis pas si sûre que ce soit des putes. Une pute, c'est une pute. T'as l'air de t'y connaître. Mon mari, ils aiment bien dire des trucs. Genre, t'aimes bien ma grosse bite, comme ça ma petite salope. Ils me racontent leur petite vie, leur boulot, leur femme. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans tout ça? C'est de mentir tout le temps. Tu vois pas la chance que t'as? Tu vois pas tous les gens qui se battent dehors? De quoi tu me parles? Mais tu t'es pas battue, toi? J'ai l'impression de puer encore tout ça. On abolit Flaubert comme tout le monde. Faire des études, ça change rien. Tu vois très bien, moi, que je suis pas comme vous. Pour rendre un peu seul quand même, non? Ça, on est tous seuls.